Hey, salut toi, ça va bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel de construction. On va apprendre à construire ensemble un drakkar. Alors, on va faire ça étape par étape. Comme ça, vous pourrez le refaire facilement sur votre monde survie, par exemple, si vous voulez. Ça pourra permettre d'agrémenter un port ou bien ce genre de choses. Donc, on va pas faire plus de blabla, hein? On va y aller tout de suite. Allez, c'est parti! Retrouve donc en créatif pour et à la première personne pour vous montrer comment construire le drakkar. Donc pour commencer, vous mettez en place un bloc dans l'eau comme ça, donc soit en venant d'une berge, soit en faisant un pilier de gravier par exemple depuis le fond de l'eau. Une fois que vous avez votre bloc en place, on va faire la partie immergée de la coque du drakkar. Donc la partie immergée. Alors vous commencez par faire une plateforme de 3 par 5, comme ça. Hop. Ensuite, une partie de 4 par 3. Voilà. Et vous faites à la fin, au bout, une partie de 2, comme ça. Et vous faites la symétrie par rapport à cette grosse plaque-là. Alors, il faut savoir que sur les drakkars, la partie immergée qu'on est en train de construire là, vous voyez, c'est pas très épais, mais c'est réellement comme ça. C'est-à-dire que le drakkar a vraiment pas de fond. Hein. En général, la tirant d'eau d'un drakkar, c'est environ 1 mètre. Hein. C'est ce qui leur permet de remonter les rivières. Donc, on va faire la couche du dessus. Hop, le pont sur lequel vont venir se placer les gens. Donc, on refait une deuxième couche identique à la première. Hop. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, mais vous allez voir, ça va prendre forme, ça va prendre forme. Et là, hop, premier petit changement, on va venir mettre un bloc ici, ici. Pareil, le symétrique de l'autre côté. Là, 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 et là. Donc on commence à avoir la forme de base hein, du drakkar. Les drakkars sont des navires qui sont comment dire qui sont très effilés. Hein. C'est ce qui leur permet de bien tenir la mer, parce que pour un bateau qui a pas beaucoup de fond de coque, c'est quand même des navires assez incroyables. Hein. Ils peuvent tenir la mer relativement facilement. Quand on voit la taille de ces bateaux-là. Donc, ensuite, on rajoute des escaliers partout sur la deuxième couche de bois. Vous faites tous les bords, sans exception. Hop, voilà, je suis allé un peu loin. Donc là, pareil, on a la forme de base. On va mettre en place donc des escaliers. Comment je vais faire ça? Comme ça. Hop. Pour faire la rambarde. Hop, et là. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment tout simple. Hein. Je donne la forme de base avec la première couche de la coque. Et après, je rehausse par-dessus. Comme c'est un navire qui est plutôt plat, qui est pas très très haut, il n'y a pas beaucoup de travail à faire sur la hauteur. C'est vraiment, une fois qu'on a la forme de base, on n'a plus qu'à jouer avec. Hop, donc là. On va faire la proue et la poupe du bateau. Pour pas que ce soit trop moche, on va mettre des petits escaliers comme ça sur les côtés pour garder pour donner la forme bombée de la coque. Vous allez voir. Vous en mettez à chaque bout d'escalier comme ceci. Là aussi. Voilà. Et donc là, vous commencez à avoir, bah, vous voyez, une forme de coque. Hein. Donc on est passé de quelque chose de très grossier en mettant quelques escaliers à quelque chose de déjà plus détaillé. Alors, ensuite, pour gagner un petit peu d'espace à l'intérieur,
Moi, ce que je fais, c'est que je mets les bords, voilà, des escaliers comme ça. Vous voyez, comme ça, on gagne de l'espace. C'est la même technique que celle que j'ai utilisée dans l'épisode précédent pour la maison Gudpafienne. L'idée, c'est de mettre des intérieurs d'escalier pour gagner de la place. Donc, on va mettre le point central où se situera notre mât. Donc, on va le faire monter de 12. Donc là, je suis à 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Ça commence à prendre forme tout ça, ça commence à prendre forme. Alors, je n'oublie rien, je vais compter jusqu'à 8. 1, 2, 3 sur le mât, bien sûr. 4, 5, 6, 7, 8. Hop, donc je place un support, hein, ça peut être n'importe quoi. Et je mets une bûche. Ensuite, je vais changer de couleur pour que vous voyez. Je descends comme ça. C'est juste un support, c'est provisoire, c'est pour placer le mât en fait. Sur le drakkar. Drakkar qui d'ailleurs s'appelle en réalité un langship. Ça c'est le vrai nom. Drakkar c'est un nom qui a été comment dire qui c'est pas le vrai nom que donnent les Vikings à leur bateau. C'est un nom qui a été rajouté après parce que qui fait référence à la figure de proue en fait, qui a souvent une tête de dragon pour effrayer les personnes attaquées. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un longship. Alors longship c'est les bateaux, c'est même les ba on peut être plus précis en disant que c'est les bateaux militaires. C'est-à-dire que il existe aussi les campships qui sont eux des navires donc plus destinés à la marchandise. Faut savoir que les Vikings n'étaient pas un peuple uniquement comment dire, guerrier, c'était aussi des très bons marchands. Hop, donc là, par-dessus notre mât, on va rajouter notre support de voile, on va rajouter des escaliers. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de plus lisse. Et on va même pousser le vis, hop, jusqu'à mettre des escaliers comme ceci. Voilà. Hop et là. Commence à prendre gentiment forme. Hein. Donc, maintenant que nous avons fait notre mât, on va ajouter quelques petits détails à droite à gauche. Donc, par exemple, des petites barrières. Voilà. On peut imaginer que il y aura des cordages qui viendront se greffer dessus. Et donc, à partir de là. Nous allons mettre en place la proue et la poupe. Là, vous voyez, ça fait un peu bateau random, hein. Ça pourrait être n'importe quel type de bateau. Et nous, on va vraiment lui donner cet aspect viking avec la figure de proue. Hop. Donc là, vous faites l'opposé, la symétrie par rapport à cet axe-là de ce qu'il y avait en dessous. Ensuite. Un bloc de bois de sapin ou de dalles, comme vous le voulez. Un escalier de bois de sapin. Un escalier à l'envers. Et pour finir, hop et là, deux demi-dalles. Donc là, vous avez une belle figure de proue. Donc on commence à avoir l'esquisse de la chose. Alors à l'arrière, c'est quasiment la même chose. Donc. La symétrie, hop, le bloc, l'escalier. Et alors là, plutôt que mettre un escalier en verre, on va mettre directement deux blocs, enfin deux dalles, comme ça, et une dalle derrière. Donc voilà, vous avez le. Ça change un. Ça se voit à peine, mais ça change un tout petit peu au niveau de l'arrière. Alors, une fois qu'on a fait ça. On va mettre en place la petite tente, ce que j'appellerais moi la petite tente. En fait, sur les drakkars, ils avaient souvent des, pour s'abriter, ils avaient souvent
Voilà, des parties en bois comme ça, sur lesquelles ils venaient tendre une toile en fait, et ça leur permettait de s'abriter à l'intérieur. Alors, il me manque pour ça des portillons en bois. Hop et là. Voilà. Comme ça, on ferme un petit peu comment dire, l'abri pour éviter les embruns. Hop, je vais pas mettre ça comme ça, plutôt comme ça. Voilà. Hop et là. Ça, c'est en trop. Ensuite, on va utiliser de la toile pour faire l'abri. Hop. Alors après, vous pouvez utiliser un peu les motifs que vous voulez. Moi, j'aime bien les. Je trouve que ça colle bien les rayures avec l'esprit du dracard. Voilà, ça vous fait une petite tente à l'arrière. C'est tout cosy. Et donc maintenant, nous allons nous attaquer à la voile. Alors, je vais représenter une voile repliée. Donc, hop. Pour ça, je vais faire une couleur sur deux en longeant comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu plat. On peut se dire que la voile peut quand même tomber un peu plus, même si elle est repliée, elle n'est pas forcément extrêmement bien repliée. Du coup, ce qu'on va faire, hop et là. C'est voilà. On va descendre un petit peu. C'est un petit peu aléatoire. Hein, vous descendez un petit peu comme vous le voulez. L'idée, c'est d'avoir peut-être une forme un peu bombée, voilà, comme ça. Dans l'esprit. Descendez la toile. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Hop et là. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez la forme. Alors bien sûr, c'est un petit peu plat. Mais il faut toujours commencer par mettre en place la forme. Comme ça, vous savez à peu près, vous avez les proportions. C'est facile de mettre des proportions ou de voir un peu ce que vous voulez quand vous faites quelque chose de plat comme ça. Et donc maintenant, on va le mettre en relief. Alors juste avant, je vais placer ces petites barrières-là qui vont servir de guide et qui vont pouvoir m'aider à placer, hop, les blocs. Donc, on va rajouter une deuxième couche. Voilà. Quelque chose comme ça me paraît pas mal. Et on va faire descendre, hein, comme tout à l'heure. Alors, pas tout en bas. Et on fait descendre. Hop. Voilà. Quelque chose comme ça. Vous voyez là, ça donne plus de cachet. Hein. Il y a une petite impression de relief là qui est sympa. C'est-à-dire que la voile est repliée, mais elle est quand même un petit peu gonflée par le vent. Ou alors ça représente justement l'amas de tissu qui est fait. Donc là, on va creuser derrière. Alors ça, c'est un petit peu la chance. Un petit bonheur la chance pour savoir si on va creuser trop bas ou pas. Hop. Voilà, là je sais pas si j'avais. Oups, je casse tout. Je sais pas si j'avais mis. Mais si, voilà, j'avais mis un trou. Donc je pouvais mettre ça là. Hop, derrière, pareil, on consolide la voile avec ceci. Hop. Et je vais rajouter pour faire tenir le mât ces deux trucs-là. Donc là, un petit poteau sur lequel vous pouvez accrocher une bannière ou un fanion ou ce genre de choses. Vous voyez, ça commence à prendre doucement forme. Hein, on commence à reconnaître un petit peu l'esquisse bah, du navire. Et alors là, la petite astuce, c'est vraiment le petit truc qui va bien faire viking, c'est de prendre un cadre. Vous prenez un cadre et un bouton en pierre, comme ça. Et vous en placez tous les deux blocs environ. Sur les côtés de la coque, comme ça. Surtout si je vais un peu vite, n'hésitez pas à mettre des pauses hein, pour regarder, pour recopier le design. Je fais exprès de créer bloc par bloc avec vous, comme ça, si vous voulez, vous pouvez le reproduire. Ensuite, on va mettre les boutons à l'intérieur. Alors, bien sûr, ça se verra pas de loin, mais de près, ça rend son petit cachet. C'est les boucliers que les Vikings accrochaient sur les côtés du navire. Ça permettait bah, déjà de les transporter et ensuite bah,
de pouvoir se protéger derrière et dépasser un petit peu, et il pouvait se protéger des éventuelles flèches. Donc vous voyez là, ça commence à rendre sympa. Alors il y a un petit détail qui pourrait être amélioré, c'est-à-dire que si jamais votre drakkar est représenté en dehors de l'eau, l'idée ça va être de prendre des demi-dalles par exemple, et vous voyez pour toutes les parties qui dépassent comme ça, de remplacer par des demi-dalles. Alors moi je vais pas le faire, pourquoi? Bah, c'est tout bête, c'est parce que si vous sortez, vous voyez, on voit les grosses traces d'eau qui sont dues au fait qu'il y ait un courant sur les demi-dalles. Donc c'est pour ça que je vais laisser un bloc complet. Voilà, c'était comme ça. C'est pour ça que je vais laisser un bloc complet. Mais vous, si jamais vous représentez par exemple un drakkar échoué, ou que vous le mettez pas forcément dans de l'eau, ce genre de choses, vous pouvez justement utiliser cette astuce-là pour rendre encore plus de détails sur la coque. Voilà, c'est pas extrêmement gênant puisque toute cette partie est cachée en dessous. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à rajouter donc quelques torches. Donc on va faire ça tout de suite, ça c'est pour éclairer. Alors, rien d'extraordinaire, hein. Après ça vous pouvez le mettre un petit peu comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien en mettre une ou deux en haut du mât. Voilà, comme ça. Donc on va pas en mettre derrière, vous allez voir pourquoi dans 2 secondes. On peut par exemple se servir des petits poteaux là qui sont ici pour prolonger avec des torches, comme ça. Voilà. Hop. Et ensuite, on va prendre des boutons en bois et on va faire hop. Vous voyez, ça donne l'impression qu'il y a une petite échelle qu'on peut grimper en haut du mât. On va mettre une torche là. Vous voyez? Ça rajoute du relief et en même temps, c'est plus réaliste. Parce que sinon, pour aller grimper, pour rabattre la voile, je vous souhaite bon courage, hein, sans ce petit détail. Alors après, bien sûr, pour ajouter encore plus de détails ou ce genre de choses, on peut rajouter des petits coffres, par exemple. Pour les lors des pillages ou des choses comme ça, hop, pour qu'ils puissent récupérer l'argent. Si jamais vous voulez faire de ce bateau une base avancée ou ce genre de choses, là par exemple deux lits se prêteraient très bien ici à cette position-là. On peut également par exemple mettre une enclume. Et l'avantage, c'est comme vous avez un double fond, pour mettre des tables de craft, c'est super pratique. Voilà. Vu le niveau de détail actuel du Drakkar, vous voyez, c'est quand même un petit bateau, hein. Je ne me suis pas amusé à faire les bancs sur les côtés pour les rameurs. Hein, ça pourrait être envisageable. Si jamais, par exemple, vous voulez amarrer votre Drakkar au bord de, par exemple, de la terre ferme. Imaginons qu'il y a un morceau de terre ferme ici. Vous pouvez juste, par exemple, faire une passerelle tout bêtement avec des dalles comme ça. Quelque chose de tout bête. Et là, vous avez votre terre ferme ici, là, sur le côté. Comme ça, par exemple. Voilà. Donc voilà. Bah, c'est tout pour ce petit tuto, hein. C'était vraiment un petit tutoriel très court sur comment construire un drakkar bloc par bloc. Donc je vous laisse là pour la construction. Et on se retrouve tout de suite pour un tout petit tour autour du bateau avec les shaders pour le résultat final. Allez, à tout de suite. Mais c'est qu'on s'y croirait presque avec les mouettes et tout. Et c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Hein, que je puisse, s'il y a des choses qui vous plaisent pas ou qui vous plaisent justement, pour que je puisse améliorer le futur contenu.
Vous pouvez reproduire le bateau, hein, surtout n'hésitez pas. C'est pour ça que j'ai fait la construction avec vous pas à pas. Citez juste bah, d'où ça vient. Bon, bah cette fois, c'est vraiment la fin. Je vous dis à bientôt, du coup. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Allez, salut à tous. C'était Zanzag.